grimpiste à pronom Sauvage. Il appartient à la manade Lautier. Il est porteur d'une cocarde et de deux glimes privées, 60 euros chacun. Sauvage est marqué du numéro 755, étagé de 9 ans. Alors le rasateur Jérémy Aliaga est blessé à la cheville et il est sorti. Le château Saint-André à Saint-Gilles, 2 euros de plus à la cocarde. L'agence Pro Façade à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Le moulin des Costières à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Intermarché Son Drive à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Madame Pascal Mouru, attachée parlementaire, porte la cocarde à 70 euros. ADPS Peinture et Rénovation à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Big Mat Matériaux à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Coupe cocarde, 74 euros pour le réducteur Maxime Favier. Alors la cocarde est maintenue à 74 euros après la coupe. La cordonnerie Loubier Pernat à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Le magasin Netto à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Pépinière camargaise porte la cocarde à 80 euros, la cocarde pour le réducteur Maxime Farrier. La rapide permis B à Saint-Gilles, 2 euros de plus au premier glan. La pizzeria Alain à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Le garage auto Citroën à Saint-Gilles, 2 euros de plus. La boucherie, la tradition à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Oui, Eric. Eric, putain. Le camping de la Chicanette, 2 euros de plus. Le café du théâtre à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Le café de la Poste, porte de deuxième gamme à 70 euros. Royal Kebab à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Saint-Gilles Optique, 2 euros de plus. Thank you.
Le contrôle technique d'écran porte le deuxième blanc à 80 euros. Le bar Lafourine à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Le deuxième blanc à 82 euros pour le radoteur Maxime Favier. Soit 7 euros à la première ficelle. Agence GL Immobilier à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Caroline Esthétique, 2 euros de plus. Le Cabanon Fleury à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Le Bar Le Français, 2 euros de plus. Pulsat Cuisine Plaisir à Saint-Gilles porte la première ficelle à 7 et 10 euros. Le restaurant L'Escalade à Arles chez Marina, 2 euros de plus. Le groupe folklorique L'Arlatenco, 2 euros de plus. La Peña Occitane, 2 euros de plus. Au quotidien, Midi Libre La Provence, partenaire du Trophée Taurine, 2 euros de plus. Le journal La Marseillaise, sa chronique taurine, 2 euros de plus. Et M. Eddy Valadier, maire de Saint-Gilles et son conseil municipal, porte la première ficelle à 80 euros. Le Cabanon Fleury, 2 euros de plus. Le Bar Le Français, 2 euros de plus. Les Santons Vaquettes, 2 euros de plus. Boutique Femme Paris Tenue à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Le Snack Bar à l'Angle à Saint-Gilles porte la première ficelle à 90 euros. La SARL Arlac Bâtiment à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Marc Les Solas, vente de bois et de viande à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Clavel Médical, 2 euros de plus. Benoît Ride Canavert à Saint-Gilles, 2 euros de plus. L'association des festivités pour Saint-Gilles porte la première ficelle à 5 euros. TV Sud qui filme la course, son émission noir et blanc, 2 euros de plus. Benoît Ride Canavert, 2 euros de plus. Escalon Échelle Fruitière à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Stéphane Masjac, peinture à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Le garage LPV à Saint-Gilles, 2 euros de plus. À Pim Metal à Saint-Gilles porte la première ficelle à 110 euros. La société événementielle SCE à Saint-Gilles, 2 euros de plus. Roche, bâtiment, travaux publics à Saint-Gilles, 2 euros de plus. CPS, travaux publics Parignon à Saint-Gilles, 2 euros de plus. L'office notarial de Saint-Gilles, 2 euros de plus. Madame Pascale Moreau, attachée parlementaire, apporte la première ficelle à 120 euros. L'office notarial de Saint-Gilles, 5 euros de plus. L'agence Accent du Sud à Saint-Gilles, 5 euros de plus. La carrosserie SABM à Saint-Gilles, 5 euros de plus. La carrosserie Serrano, 5 euros de plus. Péré Bois d'extérieur à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Monsieur Frédéric Pouzelier, maire de Générac, porte la première ficelle à 150 euros. Monsieur Gaëtan Prévetot, maire de Langlade, 5 euros de plus. Hôtel-restaurant Le Saint-Gillois, 5 euros de plus. Les chaussures Salem Carrière, 5 euros de plus. Camargue Ferronnerie à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Le garage Méca Auto, 5 euros de plus. Le tailleur de pierre Yves Vallès à Saint-Gilles porte la première ficelle à 180 euros. Madame Pascale Mourou, attachée parlementaire, la porte à 190 euros. Et M. Eddy Valadier, maire de Saint-Gilles, son conseil municipal, porte la première ficelle à 200 euros.
Mirofret à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Le la carrosserie Tech Auto à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Le garage Eula Automobile à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Le restaurant Pizzeria chez Tony, 5 euros de plus. La biche fleurie à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Luna Flore à Saint-Gilles, 5 euros de plus. La SARL Thierry Tona à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Électricité générale à Alain Gonzalez à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Claude Jourdain, photographe à Saint-Gilles, 5 euros de plus. L'association des festivités pour Saint-Gilles porte la première ficelle à 250 euros. EURL Lucas Peinture, 5 euros de plus. EARL du Fourniguet, 5 euros de plus. Les dessus-dessous de Marie à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Le salon de coiffure Pelazza à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Le contrôle technique Sésame, 5 euros de plus. SARL Grand Quai à Saint-Gilles, 5 euros de plus. La boucherie traditionnelle chez Barzou, 5 euros de plus. La menuiserie Didier Bouchité à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Les assurances Allianz à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Monsieur Eddy Valadier, maire de Saint-Gilles et ce conseil municipal, porte la première ficelle à 300 euros. ELEC FMP à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Clean Autoservice, 5 euros de plus. CD Formation à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Le restaurant Pizzeria La Restanque à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Christian Reynal et sa traditionnelle fougasse saint-gilloise, 5 euros de plus. Le restaurant Le Clément 4 à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Hôtel restaurant Le Cours à Saint-Gilles, 5 euros de plus. Le salon de coiffure Couleur du Sud, 5 euros de plus. Madame Pascale Mouru, attachée parlementaire, porte la première ficelle à 350 euros. Monsieur Frédéric Touzoli, maire de Général, la porte à 360 euros. Monsieur Gaëtan Prévoton, maire de Langade, porte la première ficelle à 370 euros. L'association des festivités pour Saint-Gilles porte la première ficelle à 380 euros. Le garage Marcoto à Saint-Gilles, 10 euros de plus. Monsieur Eddy Valadier, maire de Saint-Gilles et son conseil municipal, porte la première ficelle à 400 euros. Monsieur Frédéric Touzelier, maire de Général, la porte à 420 euros. Monsieur Gaëtan Prévoton, maire de Langlade, la porte à 440 euros. Madame Pascale Mouru, attachée parlementaire, la porte à 460 euros. L'association des festivités pour Saint-Gilles porte la première ficelle à 480 euros à la dernière minute de course. L'association des festivités pour Saint-Gilles porte la première ficelle à 500 euros.
Thank you.